Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour ce numéro 27 de Comment jouer au banjo. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est China Boy. Donc on va commencer par voir le thème, comme d'habitude, le plus simplement possible. On va faire ligne par ligne, il y a 4 lignes, c'est un 32 mesures. Donc la première ligne, on mettra les accords dessus, le plus simplement possible, sans accord de passage, sans rien. Ensuite, je vous ferai voir 3 trucs pour que ça soit plus musical. En effet, le morceau est assez simple, donc les banjoïs ont tendance à le jouer très très vite et ils ont tendance à rajouter plein d'accords en doublon, des renversés. Donc par exemple, ils vont faire un fa là, ils vont faire un autre là, puis un autre là, pour arriver au diminué, pour faire servir les diminués aussi. Voilà. Donc moi personnellement, je trouve que d'aller trop vite, de remplir avec des renversés dans tous les sens sans qu'il y ait une raison, je trouve ça pas très joli. Et la troisième chose que je vais vous proposer de travailler, c'est sur l'intention du tempo. Pas le tempo lui-même, l'intention. Donc le tempo, il peut être lent, rapide, moyen, comme vous voulez, mais l'intention. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui sont abonnés et d'agiter la cloche pour tout le monde parce qu'au début, je ne mettais pas de cloche, je ne savais pas à quoi ça servait. Mais en fait, ça sert à vous avertir quand une vidéo sort. Comme je ne fais plus de pub, c'est important de... Voilà, je fais à peu près 2 vidéos par mois, donc vous serez averti des sorties de vidéos. Voilà, mais cette fois-ci, on est parti. Alors, la première ligne, le thème est très très simple. Hein. Première ligne. C'est tout. On met les accords, le fa sans le do, 3 temps et un temps de do. D'accord, il y a 3 temps avec un la, un temps avec un do, 3 temps avec un la, un temps avec un do, et 4 temps avec un la, 4 temps avec un la. On est à la moitié de la première ligne, d'accord? Et on va recommencer ça, sauf qu'on va passer sur un reset pour les 2 derniers accords. Donc on recommence la première ligne, fa. Alors, je me suis compliqué la vie, je l'ai passé quand même. Passez-le comme ça. D'accord? Je vous mets les schémas de toute façon. Donc, je recommence la deuxième partie. C'est tout. Donc, à vitesse rapide. C'est pour ça qu'il y en a qui vont rajouter dans tous les sens, etc. Et je vous propose au moins autre chose. Alors on fait la deuxième ligne, c'est pareil, hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc on attaque sur le fa, même découpage que tout à l'heure. Hein. 3 fa, 1 la, 3 fa, 1 la, 4 fa, 4 fa. D'accord ? Ça, c'était pour la deuxième ligne, d'accord? Alors, en accord, ben, on va mettre le sol sans la chanterelle, puisqu'on a besoin du la. Donc, on a le fa. C'est la même position, ça ne bouge pas. Hein. Donc, vous jouez jusqu'au fa, 3 fois. C'est-à-dire la troisième corde. Je vous fais voir le truc. Et là, et vous faites un temps avec tout l'accord avec le la, la chanterelle. D'accord? 3 fois le fa. Ça. Donc ça bouge pas ici à gauche, hein. C'est juste on frappe jusqu'au fa ou jusqu'au la. Et là pour la deuxième partie de la phrase ça change puisqu'on va faire un si bémol mineur comme ça et comme ça pour le quatrième temps. 3 temps comme ça, un temps comme ça, on va revenir en sol mineur. Quinte bémol, Do7 et Fa. Donc 3 temps, Si bémol mineur,
On va faire la troisième phrase. La troisième phrase est très simple aussi. C'est tout. Alors, on met les accords sur la troisième phrase, la bémol. La bémol. Mi bémol 7 et mi bémol 7 ici pour revenir à la bémol. Et la deuxième fois, la bémol toujours ici, mi bémol 7 et la bémol en haut pour arriver au Do 7. Je fais ça. Voilà, maintenant on va faire la quatrième ligne. Je recommence. Les accords sur la quatrième ligne. Comme au début. Hein. D'accord? Et on va passer sur le diminué ici. On entend cette note qui est l'oreille. Donc ça fait ça. D'accord? Mais là, on va faire très simple. Les positions ne vont pas beaucoup changer. Mais il va falloir faire attention de jouer les bonnes notes à la main droite. Hein. Donc là, Fa. Fa. Donc, avec le La. Et Fa avec le Fa. Le Do. 7. Et le Do 7, on rajoute le Do. Pour finir sur le Fa. Alors. Le premier tam en entier. Le tuto, comment apprendre à jouer au banjo, c'est fait pour cette première partie-là. Maintenant, je vais vous faire voir qu'on peut enrichir ce morceau. On n'est pas obligé de faire des renversés dans tous les sens du même accord. On peut enrichir avec des passages d'accords. Alors, je vais vous faire voir, je ne vais pas vous expliquer là, ce n'est pas le propos du tuto, c'est juste pour vous faire voir qu'en bossant un peu, vous pouvez trouver plein de trucs. Donc, je vais vous faire voir quelques trucs. Thank you.
Donc on n'est pas obligé de faire des renversés toujours le même fa, etc. On peut faire des voicings avec des passages d'accords. Voilà, c'était le propos, c'était une proposition, il y en a plein plein de possibles. Alors, on attaque la troisième partie. Bon alors, pour l'histoire du tempo, il aurait fallu prendre un métronome pour ce chapitre, j'en ai pas sous le coude, hein. C'est dommage. Mais je ferai un chapitre exprès pour ça, parce que c'est très important. Donc on va partir du principe que je ne bouge pas mon tempo, d'accord? Un, peu importe la vitesse, mais en tout cas je prends un tempo et je ne le bouge pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un, ti, da, ta, da, China Boy, hein? D'accord? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc vous pouvez le jouer comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais là, il n'y a pas d'invention particulière dedans. D'accord? Et là, c'est le même tempo. Hein. On part du principe que je ne bouge pas. 1, 1. Voilà, il y a une intention dedans. Je vais vous le faire normalement. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc je vais vous le faire normalement. 1, 2, 3, 4. Je vais y mettre de l'intention. Alors je ferai un tuto exprès là-dessus, j'irai plus dans le détail, je prendrai un métronome en plus, mais voilà, je voulais vous dire ça. Ça joue, c'est-à-dire que sur un morceau comme ça qui est assez simple au départ, si vous rajoutez des voicings, si vous rajoutez de l'intention, c'est plus le même morceau. Pour moi, il prend de la musique. Voilà. Donc pour faire pour mettre l'intention, il y a le tempo, il y a cette énergie qu'on met dans le tempo, ce drive. Et il faut l'écouter ce tempo. Et la façon de l'écouter, ça permet d'avoir du silence dans votre musique. D'accord? Donc, mettez ce tempo. C'est toujours le même. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'attention. Pas de faire tous les accords, hein. Ça n'empêche pas de faire tous les accords, mais je trouve que ça apporte quelque chose. En plus, si vous faites des enrichissements, ça va faire un truc un peu plus musical, je pense. Voilà, ce numéro 27 de Comment jouer au banjo China Boy est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'agiter cette cloche. Et je vous dis à très très bientôt. Merci de votre attention. Bye bye.